Les personnes qui sont nées le lundi, et vous savez très bien, sont des personnes qui doivent rentrer dans le paradis. OK? Sont des grandes personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont nées le lundi, dans leur vie, ça ne va pas. Vous voyez? Mais vous allez trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés sur votre parcours avant de réussir. Les gens qui sont nés le lundi. Il y a certains même qui vont perdre leurs parents. Est-ce que vous avez compris? Bon, si tu es né le lundi, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que toi, tu as pu construire tes subventions? Une maison sans subventions ne dure pas. C'est pour cela, toi, tu es né le lundi. Les sacrifices que tu dois faire et le verset coranique que tu dois utiliser, tu ne l'as pas fait. C'est pour cela que tu vas courir sur beaucoup, beaucoup de personnes. Si tu vas partir sur beaucoup de choses, tu vas faire beaucoup de choses, ça ne va pas réussir. Tu vas dire même qu'il y a des connaisseurs, des marabouts qui ne connaissent rien hors ce qu'ils connaissent. Il y a quelque chose qui te manque. Donc, ce que je vais te dire, si tu es né le lundi, si tu veux réussir, tu veux avoir le bonheur, tu veux avoir le succès dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois chercher les gens qui n'ont jamais fait l'adultère, les enfants, qui n'ont pas touché avec les femmes, qui n'ont pas couché avec une femme. Ils vont écrire la sourate dans le Coran qu'on appelle Ijaja Nasrullahi. Ils vont écrire ça sur une fille vierge 111 fois. Tu vas transformer ça en talisman, tu vas porter ça sur toi. Et ils vont écrire 111 fois en liquide sur Walaha. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Ce qu'ils vont écrire sur Walaha là, 111 fois là, ça, tu vas transformer ça en liquide et tu vas mettre le parfum là-dedans. Mais tu vas l'utiliser ça chaque lundi soir. Par exemple, si aujourd'hui c'est dimanche, si demain c'est lundi, chaque lundi soir jusqu'à 7 lundi. Maintenant, si les 7 lundis sont finis, le reste là, tu vas augmenter l'eau sur là-dessus, tu vas l'utiliser. Et qu'est-ce que tu dois faire comme sacrifice? Tu vas chercher un mouton blanc, plus 100 noix de cola. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Les gens de Nasrullah que vous avez écrit là, ils vont réciter ça 111 fois. Après, tu vas tuer le mouton blanc là. Est-ce que vous avez compris? Donc, ça, ce sont les personnes qui sont nées le lundi. Si tu n'as pas fait ça là, tu vas dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas là. Tu vas faire toutes sortes de travail. Ça ne va pas réussir sur toi. Mais ça, c'est votre soubassement. Est-ce que vous avez compris? Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas des personnes qui peuvent écrire, si tu n'as pas des gens qui peuvent écrire, nous, on a des enfants qui sont là. Leur travail, ce n'est qu'écrire ces versets-là. Mais écrire ça à 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Ça, il n'y a pas les moutons là-dedans, il n'y a pas l'autre là aussi là-dedans. Si tu veux qu'on te dise tout, il n'y a pas de problème. Si je vais vous donner mon numéro WhatsApp et c'est mon numéro d'appel aussi. C'est plus 223 après 77 90 17 17. Plus 223 après 77 90 17 17. Ça, ce sont des personnes qui sont nées le lundi pour réussir dans votre vie, pour avoir beaucoup d'argent, pour être riche, pour avoir de la popularité, pour être protégé. Il faut faire ça. Au nom de Dieu, si tu as fait ça, tu vas voir que ta vie sera très, très bonne. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous n'êtes pas obligé de venir chez moi. Si vous connaissez quelqu'un, un bon marabout, que vous avez confiance à lui, ou bien à un bon maître coranique, que vous avez confiance à lui, il faut lui dire d'appeler des enfants qui n'ont jamais fait l'adultère, ils n'ont qu'à écrire ça pour vous. C'est la même chose. Mais en cas de cas, si vous savez que vous ne pouvez pas écrire, c'est pour ça que je vous ai dit, les enfants sont avec nous, ceux qui écrivent. Donc, ils écrivent ça à 150 000 francs CFA. Ça, ce sont des personnes qui sont nées le lundi. Ça, c'est en version française.